Donc forcément, même ceux qui auraient été intéressés, qui sont professionnels, mais c'est tout les rares d'Az ou d'ailleurs qu'est-ce qui se passe, bien fait acheter, voilà, et de manière très 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 artisanale. Par des vrais professionnels, ils ont dû demander des charges. On leur a dit pas qu'il y a des charges, mais nous, bon, on sait. Je pense que cette affaire a créé un vrai capital sympathie envers le groupe, et le groupe est connu pour sa réputation, il est connu pour relever les défis, il est connu pour tout ce qu'il a réalisé, et les gens voulaient savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire. Je pense que c'était le moment d'éclaircir certaines choses, et nous allons bientôt passer une étape importante où... Et nous avons confiance en la justice marocaine, nous avons confiance dans le ressort de cette affaire. Nous, on ne demande que la justice se prononce sur cette affaire. Le travail a été de la partie adverse a été un travail très, très bâclé, et que les investisseurs ont réalisé cela. Il n'y avait pas de cahier des charges, il n'y avait pas beaucoup d'éléments manquants, et je pense que c'est ce qui a découragé les acheteurs. On n'a pas d'argument. On veut que la justice se prononce comme elle le souhaite. Nous, on n'essaie pas d'influencer qui que ce soit, bien au contraire. Bien au contraire. C'est pour ça qu'on s'est abstenu tout ce temps de parler, parce qu'on n'a pas voulu faire dans le folklore et dans le sensationnel, bien au contraire.